Je te laisse commencer. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Nous allons débuter cette deuxième ou troisième session de la journée 2022 de la recherche en chirurgie qui est, pour rappeler, très largement sponsorisée par le laboratoire Brottier. Voilà, donc on va procéder à l'audition dans cette première partie de trois projets de recherche. Je rappelle aux orateurs, donc ils ont, aux candidats, qu'ils ont pas plus de 15 minutes de présentation et il y aura 5 minutes de discussion derrière. Et je vais tout de suite demander donc à Madame Navidé Abbasnezade de venir présenter son travail. Il s'agit de l'expérimentation in vitro et de la modélisation de la libération de médicaments à partir de supports polymères pour le développement des stents à élution de médicaments. Chers professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Navidé Abbasnezade, docteur en biomécanique. Aujourd'hui, je suis honorée de présenter les travaux de ma thèse intitulée Expérimentation in vitro et modélisation de la libération de médicaments à partir de supports polymères pour le développement des stades à élution de médicaments. Et cette thèse est dirigée par professeur Bakir aux arts et métiers et en lien avec chirurgie vasculaire, les spécialités des professeurs qui m'ont soutenue dans cette démarche, professeur Fabien Koskas et professeur Blandine Morel. Je me permets maintenant de vous présenter un bref contexte général autour de ce sujet. Et comme vous savez tous, les maladies cardiovasculaires sont responsables d'un fort taux de la mortalité dans le monde. La maladie coronarienne en fait partie. Il s'agit des stenoses des vaisseaux sanguins liées à un dépôt de la plaque d'athérome. Le traitement par l'introduction des stents nus métalliques, il a induit les effets secondaires tels que la restenose. Pour remédier à cela, les stents à élution de médicaments ont été développés. Par contre, cette alternative aussi il a induit d'autres types d'effets secondaires tels que la thrombose tardive et l'inflammation. La maîtrise et l'optimisation de la cinétique de libération des médicaments anticoagulants et antiplaquettaires peuvent éliminer ou diminuer ces effets secondaires. Malgré de nombreuses études disponibles dans la littérature, la maîtrise sur le sujet n'est pas encore complète. Cela est lié à la complexité des stents et le milieu actif de l'artère. Ce qui fait que ce qui est le résultat de différents mécanismes associés à la relâchage de médicaments dans les différents milieux, comme lumen, polymère et tissu, les différents mécanismes pour la diffusion, advection, liaison à un récepteur, gonflement, l'effet d'osmose, etc. Dans la littérature, il y a deux approches pour le développement de ce type de stent. Il y a approche expérimentale et approche calculatoire. Dans mes études, moi, j'ai choisi l'approche in vitro et la modélisation et la simulation numérique. Ces deux approches, ils sont en lien pour faire l'identification et la validation des résultats. Par rapport à ces études, j'ai obtenu plusieurs résultats, mais par rapport au temps donné pour la présentation, j'ai juste sélectionné quelques résultats pour vous présenter aujourd'hui. Et les objectifs de ma thèse, je les décris en fait dans les quatre blocs. Un premier bloc, c'est le développement d'un bioréacteur biopertinent dans lequel on peut simuler l'artère artificielle. Nous avons considéré hydrogel pour cette artère artificielle. Et en même temps, on a simulé l'effet systolo-diastolique des écoulements sanguins. Deuxième bloc, c'est étudier l'effet de différents paramètres sur la cinétique de libération de médicaments. Les différents paramètres comme le type de polymère, l'effet d'écoulement, l'effet de fabrication des échantillons, etc.
Le troisième point, c'est l'évolution des propriétés mécaniques, physico-chimiques des matériaux avant, lors du relagrage et après le relagrage, et pour identifier les mécanismes associés à la relagrage, pour les utiliser dans la modélisation. Et quatrième point, c'est élaborer un modèle de fiable polyvalent pour prédire le profil de relagrage de médicaments. Maintenant, je vais aborder les sélections des résultats que je vous ai expliqués. Comme premier exemple des résultats, je vais vous montrer l'effet d'écoulement pulsatile. Ici, nous avons préparé notre échantillon et notre bande d'essai qui simule l'artère artificielle et il fait l'écoulement systolo-diastolique. Les échantillons, ils sont les polymères PLGA chargés avec 10% de médicaments, diclofenac. Et puis, nous avons mis les échantillons dans le système. Et on a comparé l'effet d'écoulement continu et écoulement pulsé. On constate par les résultats qu'en augmentant le débit, on a beaucoup plus de cinétique de libération de médicaments. Cela est lié à un grand gradient de concentration et faible couche limite de massique en augmentant le débit. Et on voit aussi qu'en passant d'écoulement continu à écoulement pulsatile, on voit beaucoup plus cinétique de libération, surtout pénétration dans l'hydrogel, ce qui est lié à perturbation d'écoulement dans le système et création des vortex, surtout dans la partie proximale et distale des structures. Pour l'autre cas d'exemple, je vous présente ici l'effet de la charge initiale de médicaments. Dans cette étude, nous avons choisi un modèle d'Estland, les polymères polyuréthanes chargés à différents pourcentages de médicaments, 10, 20 et 30%. On voit par le résultat que l'augmentation de la charge initiale de médicaments ne prolonge pas le temps de libération de médicaments. Cela est lié à la structure poreuse de polymères en augmentant la charge initiale. Nous avons aussi regardé la distribution spatiale des particules dans l'hydrogel. Pour ce but-là, nous avons chargé les polymères avec les particules phosphorescentes et nous avons fait les essais en écoulement pulsatile. Comme vous voyez ici, j'ai choisi différentes tranches. Une tranche première, c'est la tranche en dessous de l'estrude distante et l'autre tranche, c'est un peu éloignée de la centre. Par le résultat, on voit bien que pendant le temps de relagrage, on voit beaucoup plus de diffusion des particules dans le sens vertical que horizontal. Et aussi, il y a une asymétrie de diffusion et vers la sens de direction de l'écoulement. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de modélisation et simulation. Sur la modélisation, je vais vous présenter le modèle semi-analytique. En sachant que les courbes de relagrage de médicaments, il s'est produit de contribution d'un ou plusieurs mécanismes de relagrage de médicaments. Du coup, ce modèle, il est un modèle mécanistique qui comprend le pourcentage de médicaments libérés dans un temps donné sur un médicament initial chargé sur les échantillons et aussi les mécanismes associés dans le relagrage et pourcentage de participation de chaque mécanisme. Par exemple, un cas d'exemple ici, j'ai appliqué le modèle pour un modèle d'échantillon de polymérique, PLGA. Et comme dans les essais, nous avons constaté que pour les échantillons de PLGA, il y a quatre mécanismes. Mécanisme de libération en rafale, diffusion, gonflement et érosion. Et puis, nous avons écrit les questions liées à chaque mécanisme et à la suite, avec langage de programmation, nous avons pu obtenir les variables inconnues de chaque équation.
Et au final, nous avons appliqué le modèle pour le résultat et on a pu valider aussi et prédire le profil de relagrage de médicaments. Ce modèle il nous donne aussi les pourcentages de contribution de chaque mécanisme dans la libération de médicaments dans les différentes conditions. Cela pour nous aider pour les optimisations des échantillons dans les conceptions des stents à évolution de médicaments. Comme un dernier exemple ici, je vous montre un modèle CFT. Dans le modèle CFT, nous avons choisi les essais sur les échantillons de polyuréthane chargés à 10% à différents débits. Comme vous voyez ici, quel que soit le débit, le modèle, il a bien collé avec les résultats expérimentaux. Et ces résultats, en fait, ils peuvent nous donner les distributions de médicaments dans les différents milieux spatial et temporel. Comme par exemple, un cas d'exemple ici, que c'est un zoom sur une partie de ce bloc. Et vous voyez qu'en augmentant le débit, on voit beaucoup plus de relagrage de médicaments, surtout dans les latérales. Et aussi, pendant le temps de relagrage, on voit une asymétrie dans le relagrage de médicaments à partir des échantillons. Comme vous voyez, il y a beaucoup plus de médicaments relagrés dans la partie proximale que distale. Pour conclure dans mes travaux, je peux dire que j'ai développé un appareil biorelevant pour caractériser les stents à évolution de médicaments. J'ai élaboré plusieurs études sur les échantillons de PEGA et polyuréthane. J'ai montré les mécanismes de libération de médicaments et fait plusieurs paramètres sur la libération de médicaments. J'ai développé et validé les modèles de production de profils de relagrage, modèles basés sur le mécanisme et modèles numériques. Mes travaux, ils se poursuivent maintenant sur un projet de simulateur artériel universel. C'est un projet en collaboration avec les chirurgiens cardiovasculaires. Je pilote ce projet avec Dr. Jean-Michel Daven. On avait les deux instituts Carnot-Art et APHP et il y a associé différents laboratoires. Le but de ce projet est d'introduire les données cliniques pour développer un jumeau numérique. Dans la partie jumeau numérique et jumeau physique, on va développer les modèles qui peuvent permettre des chirurgiens pour faire la décision pour l'utilisation des endoprothèses et des stents à évolution de médicaments. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Basnezad. Alors, peut-être avant de commencer les questions, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire où est-ce que vous en êtes, quel est votre cursus là actuellement et quel est votre profil? Oui, bien sûr. Profil moi, à la base, je suis ingénieure. J'ai fait ma thèse en biomécanique à l'INSERM. C'est en lien avec chirurgien parce que c'était une thèse qui était liée à les thématiques de médecin, chirurgien. Et là, actuellement, je continue en tant qu'ingénieur de recherche dans le même laboratoire en associant de plusieurs projets de santé pour développer, comme vous avez vu, dernière slide sur développer un simulateur artériel universel ou aussi en même temps développer des pompes cardiaques. Merci. Voilà, la communication est ouverte aux questions. J'ai une question. Donc, c'est très intéressant de relier le concept de l'hémodynamique avec la libération de médicaments in situ. Mais ces patients, en fait, quel serait l'intérêt pour eux d'avoir une libération médicamenteuse localisée alors qu'ils sont censés avoir une maladie systémique? Et donc, de bénéficier d'une protection systémique. Vous voudriez dire que ces patients pourraient se passer de traitements médicamenteux éventuels parce que ces médicaments seraient libérés in situ. C'est ça le concept? D'accord. Parce que
Et éliminer aussi des autres effets secondaires, normalement, c'est beaucoup plus favorisé que ce soit local, en fait, libération. D'accord. Très innovant. Merci. Dans la cause au départ des rostédoses, c'est pour vous un mécanisme immunologique ou de réaction face à l'aspect local du stent, ou est-ce que c'est un phénomène biophysique avec la turbulence qui se crée à ce niveau-là? Il y a aussi partie turbulence qui se crée à ce niveau-là. Mais je peux dire en fait cet aspect, c'était pas dans l'intérêt de ma thèse. Cet aspect, j'ai pas regardé. C'était plutôt l'aspect hémodynamique sur la libération. Mais sinon, dans la simulation, nous avons pas considéré une partie thrombose pour voir comment ça comporte en fait. Quand vous avez ce phénomène de turbulence, vous avez obligatoirement une thrombose. Oui. Donc ça ne change pas. Le fait de diffuser le médicament ne va pas changer. Le fait de diffuser le médicament, si j'ai bien compris votre question, s'il y a des circulations, est-ce que ça va changer sur le voilà, ce que je veux dire, c'est que dès qu'on met quelque chose dans une artère, vous avez une perturbation de la dynamique. C'est ça, oui. Hein? Et ça, ce n'est pas changé par la diffusion électronique. Il ne va pas changer ce phénomène. C'est un phénomène physique. Le fait de diffuser un médicament qui va empêcher l'agrégation de la plaque interne ne va pas changer le flux. Ça ne va pas changer le flux. Oh, le but, quand nous avons étudié l'effet de flux, en fait, les vorticités et tout ça, c'était parce que on a mis les struts et les struts, ils sont pas plates, du coup, ils sont un peu plus, ils ont un épaisseur par rapport au niveau de l'artère. Du coup, cette épaisseur, ça peut donner une turbulence autour des proximales et distales. Et ça, aucun mécanisme à connaissance change ça. En fait, les mécanismes qu'on parle par rapport au relâchage de médicaments, aussi, j'ai bien compris les questions par rapport aux mécanismes dans le modèle GDI. Cela, c'est lié à le mécanisme de libération de médicaments à partir de polymères. Ça veut dire que c'est le mécanisme qui est lié à un polymère. Parce qu'en fait, le polymère qu'on a considéré, il y a différents types de polymères qui se sont utilisés. Du coup, ça dépend du type de polymère. Il y a différents mécanismes. Il y a différents mécanismes qui sont associés. Et il acte en fait sur la libération de médicaments à partir de ce polymère. Par exemple, il y a certains polymères qui ont l'effet de gonflement quand ils sont dans un milieu aquatique. Et du coup, il faut considérer ce gonflement et ça change le cinétique de libération de médicaments à partir des polymères qui sont chargés avec le médicament. Du coup, les mécanismes que nous avons considérés, c'est le mécanisme qui joue dans la libération de médicaments à partir de polymères. Très bien. On peut peut-être passer tout de suite la parole à Madame Jocelyne Trocas qui nous suit en visio là, et qui va se présenter, mais qui représente aussi Camille qui nous soutient beaucoup dans ce projet de prix de recherche de l'Académie de chirurgie. Madame, oui, merci beaucoup de me donner la parole. Oui, donc je suis Jocelyne Trocas, je suis directrice de recherche au CNRS laboratoire TIMSS à Grenoble et membre de cette digne académie. Et donc, bravo pour cet exposé. Alors moi, j'avais une petite question, même deux d'ailleurs. Donc vous avez développé cet environnement expérimental pour caractériser justement ces mécanismes de libération de médicaments. Vous avez dit que vous aviez eu effectivement un certain nombre de paramètres à identifier. Et je voulais savoir à quel point ces paramètres sont vraiment spécifiques de ce contexte expérimental particulier.
particulier ou s'ils sont suffisamment génériques pour ensuite être appliqués dans le contexte de patient, dans un contexte plus réaliste d'application. Et ça rejoint un peu la deuxième question qui est justement dans quelle mesure tous ces modèles, on est capable de les rendre patient spécifiques et qu'est-ce qu'il y a vraiment comme chose qu'il va falloir changer pour prendre en compte la spécificité du patient dans vos expérimentations. Voilà, merci. Une réponse très courte. Okay. Merci beaucoup en fait pour votre question. Du coup, pour expliquer un peu rapidement, et je peux dire que comme dans le contexte général, j'ai expliqué, et comme vous savez tous, il y a plusieurs... l'environnement est très complexe. Du coup, il y a l'aspect biologique, il y a l'aspect mécanistique, il y a l'aspect hémodynamique et tout ça. Du coup, je peux dire que nous n'avons pas considéré tous les aspects parce que c'est trop complexe et c'est trop difficile à savoir l'influence de l'impact d'un paramètre par rapport à l'autre si on considère tout ça. Du coup, nous n'avons pas considéré l'aspect biologique et nous avons plutôt considéré l'aspect mécanistique des matériaux qui sont appliqués dans cette application, dans ces ondes de prothèse. Et du coup, les mécanismes que nous avons considérés, ce n'est pas seulement ce qu'on a appliqué sur le PEGA, il y a d'autres types de polymères que nous avons aussi utilisés, polyuréthane. Et c'est toujours consistant. Du coup, nous avons observé les mécanismes qui jouent en fait dans ce type de polymère pour le relagrage. Et du coup, c'est consistant dans les cas in vitro que nous avons fait ou dans le cas in vivo qui va être dans le cœur dans les patients, je veux dire. Sauf qu'il faut considérer, si vous voulez, plus d'autres aspects comme biologiques, comme il y a d'autres aspects que peut-être nous n'avons pas considérés. Mais dans ce modèle que nous avons fait, on a considéré les mécanismes qui jouent dans n'importe quel endroit, si c'est in vitro ou si c'est in vivo. Merci. Dernière question, courte, non ? Courte, réponse courte. C'était une petite question. Selon toi, quel est le meilleur stent médicamenteux? Ça rejoint la question que posait notre collègue, le cher professeur. C'était quel est le stent médicamenteux le plus adéquat, le plus intéressant, si on avait à le dimensionner, à le concevoir? C'est lié avec ça. Je pense que les médicaments qui peuvent faire un peu moins les perturbations de flux, parce que ça va changer dans le parti hémodynamique, c'est pas très acceptable. Du coup, moi, dans mes pensées, je pensais à un stent qui n'a pas forcément une structure comme les strottes et tout, qui peut être comme un hydrogel, qui peut gonfler et coller aux parois et ça soit très fine. Et pendant le temps, il peut relagrer le médicament et il n'y aura pas un endroit qui peut créer les thromboses, les inflammations et tout ça. Très bien, merci. Merci, madame. Bravo encore pour ce beau travail. Je vais passer la parole